Serviteurs de Dieu qui sont à ma gauche. Je suis très heureux de vous voir ici ce soir pour chanter en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de Jésus et il n'y en aura jamais. Il n'y a aucune gloire qu'on peut donner à un homme sinon qu'à Jésus-Christ. Et Jésus, nous ne le voyons pas. Jésus se trouve dans des chairs humaines. J'ai envie de dire dans une chair humaine. Il s'est fécondé majestueusement. Et il s'est manifesté devant nous. Le cantique de Moïse et de l'agneau, c'est Jésus-Christ. Amen. Le cantique de Moïse et de l'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception de son corps littéral de Galilée. Alors, ici présentement, ce n'est pas un homme qui est cantique ici, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il mérite louange, acclamation et gloire. Alléluia! Je suis partisan de l'adoration. J'aimerais que chacun de vous puisse prendre sa place de la manière qu'il le veut. Vous avez assez sauté et dansé par une certaine louange. Cette fois-ci, nous allons adorer le Seigneur. Amen. Je vous prie, chacun peut prendre sa place comme il le veut. Tu choisis ton coin, tu restes calme avec le Seigneur. Souvent, j'ai toujours dit aux musiciens, vous savez pourquoi les États-Unis sont bénis? Parce qu'ils connaissent ce que c'est l'adoration. Nous, nous ne connaissons pas ce que c'est l'adoration. On ne sait pas faire l'adoration ici. Et Pasteur King, le convient avec moi, on le disait quand son église a commencé dans cette maison, que nous devrions ramener l'adoration. Et l'adoration, c'est comme un cristaux de sucre qui se fond dans l'eau. Vous voyez, le cristaux de sucre, quand ça rentre dans l'eau, ça se fond. Et l'eau et le sucre deviennent une seule chose. C'est ça l'adoration. Quand Dieu entre dans un homme, l'homme et Dieu deviennent une seule chose. L'adoration, c'est la personne. Lui-même doit être premièrement un adorateur. Avant d'adorer celui qui mérite la louange, la gloire, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Thank you.
le nom du Seigneur Jésus.
Salanaga. Pour permettre les autres de chanter, il n'y a plus de temps. Mais c'est mon sang. Quand je suis né,
vous comprenez, mes frères, hein? J'ai essayé de changer, je n'ai pas pu. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Dieu m'a appelé à faire ce que je fais. Et je crois qu'il y aura des âmes qui seront sauvées à ce que je suis en train de faire. Et je vois des âmes qui viennent au Seigneur en ce que je suis en train de faire. Amen. Amen. Na yo, mo bima, na nga.
de faire. Tout ce qu'il dit, il le fera. Amen. Enfin, on doit céder les autres chanter. Ah, excusez-moi si j'ai pris beaucoup de temps. Rapidement, il est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Peu importe le problème que tu as, le domaine de la foi est autre chose. Par exemple, quand il chante, il sort de la gamme. Pourquoi? Parce que son oreille dont il chante, dont il écoute, n'a pas atteint la quatrième partie de l'oreille. Il faut que le son touche la quatrième partie de l'oreille pour ne pas que le chanteur sorte de la gamme. C'est la dimension de la foi. Pour que vous puissiez obtenir ce que vous avez besoin, il faut que la chose devienne cela dans votre âme. Je veux avoir un téléphone. Mon âme se transforme en téléphone et j'attire le téléphone. Je vais avoir une voiture, mon âme se transforme en voiture et je reçois la voiture. Tant que la foi ne descend pas dans l'âme, vous ne pouvez rien recevoir. Mais il fera, il est capable de le faire pour que la foi descende, n'est-ce pas, au subconscient où se trouve le lieu qu'il faut pour